Yo, c'est Prima, alors la K-pop, c'est un gros phénomène, hein. Blackpink, BTS, Psy. Personnellement, je hais la K-pop. J'ai décidé de faire une critique humoristique à ce sujet, c'est parti. Non, j'arrête cette intro, parce que c'est un peu nul. Alors déjà, leur look. Ils se ressemblent tous, ils changent de couleur de cheveux tous les clips. Voilà. Après, sinon, rien à dire sur leur musique, hein. Ils sont nuls. Très nuls. Leur chorégraphie. Ils sont partis loin. Encore la danse du Pikachu. Ça va. Mais ça. And the Oscar goes to... Primal Gamer. Ah, mec, je te jure, hein. Laissez-moi danser devant une caméra. Je fais mieux qu'eux. Leur nom. Alors oui, Primal, ils sont coréens, donc leur nom, s'ils sont bizarres, c'est normal. Non, je traiterai pas ça. Je traiterai leur nom de scène. Désolé, mais Suga, sucre, c'est pas un nom de scène, c'est un aliment. Encore, il y avait. Ça annonce le taux de crédibilité, mec. Alors, la communauté. Rien à rajouter. Il y a quand même des mecs qui ont recherché sur Google « Which language speak K-pop singers ?» Après, pourquoi il y a des youtubeurs comme Yanis? Ah oui, juste une information au cas où c'était énormément con. K-pop signifie Korean pop. Alors voilà, c'est pas Kazakhstan pop, c'est pas Kenya pop, c'est Corée pop. Maintenant, c'est clair. Ah oui, petite anecdote, juste comme ça au milieu de la vidéo, j'ai dû supporter de la K-pop pendant une semaine. Et je vais en supporter pendant 2 mois. Alors, avant que la vidéo Pokémon est-il oublié sorte, j'étais dans ma maison d'été, c'est pour ça que j'étais inactif sur tous les réseaux. K-pop internet. Ma vie, c'est de la merde. Bon, bref, il n'y avait pas internet, mais il y avait ma cousine. Et ma cousine est fan de K-pop. Ma vie, c'est de la merde. Bon, bref, et ma soeur, c'est la personne la plus influençable du monde, du coup, elle écoute du K-pop. Ma vie, c'est de la merde. Et du coup, quand les vacances d'été viendront, elle sera avec nous dans la maison d'été et j'écouterai du K-pop. Ma vie, c'est de la merde. Pouce bleu pour que je survive. Au final, le meilleur chanteur de K-pop, bah, c'est Psy. Open Gangnam Style. Ah mec, je te jure, hein, laissez-moi danser devant une caméra, je fais mieux qu'eux.